Bonjour, moi c'est Alexis. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Marianne. On vient du Cégep de Lévis, puis on va vous présenter la proposition marketing qu'on a élaborée pour votre entreprise Lexio. Pour le choix de l'institution, on a choisi le Collège La Salle. Pourquoi on a remarqué en analysant les trois cégeps que vous nous avez proposés qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants, 4 000 étudiants. Ça nous fait un plus gros marché, donc ça, plus gros marché. Après ça, il y a plusieurs étudiants à distance, comme on a pu remarquer. Donc, pour votre entreprise à vous qui est sur une plateforme en ligne, c'est beaucoup plus pratique pour les étudiants justement d'acheter les livres numériques. Puis, c'est ça de se procurer des livres qui arrivent directement à la maison. De plus, un point sur la diversité. On est à Montréal, il y a plus de diversité ethnique puis de langage. Ça fait que justement, ça va pouvoir mettre une meilleure image de marque. Vous allez pouvoir aussi, par la suite, si vous voulez expandre un peu votre entreprise vers d'autres collèges comme Lawrence, Saint-Lawrence. Ça va être déjà fait, en fait, les plateformes en anglais, les publicités en anglais. Ça va être déjà prêt pour d'autres institutions anglaises. Après ça, on a identifié un défi qu'on pourrait faire face. En effet, le collège, c'est un grand cégep. Fait que c'est sûr que c'est dur, le bouche-à-oreille, se faire connaître dans tout le cégep. Mais une fois que c'est instauré dans le cégep et que le monde le connaisse, c'est plus dur d'en sortir, justement, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent votre entreprise. Donc, on a pensé à plusieurs stratégies d'acquisition numérique. La première, ce serait vraiment de mettre à l'avant votre idéologie d'entreprise. Après ça, on vous suggère vraiment de mettre à l'avant votre entreprise sur différentes plateformes qui sont utilisées par les étudiants des cégeps, comme Omniverse, Instagram et TikTok. On vous suggère aussi de faire affaire avec des influenceurs. Puis, on va aussi vous montrer d'autres petites propositions. Donc, nous autres, on a fait nos recherches un peu sur votre marque. Donc, on allait voir vos réseaux sociaux, votre site. Puis, on a trouvé que vous aviez vraiment une belle idéologie de marque, mais on a trouvé qu'elle n'était pas assez mise de l'avant. Donc, pour ça, on vous a comme fait une phrase qu'on trouve qui regroupe bien vos valeurs puis vos points, dans le fond, ce que vous proposez. Donc, ça serait aider les étudiants en leur proposant une façon innovante, abordable et écologique de se procurer leur manuel scolaire. Donc, bien sûr, vous autres, vous aidez pas mal les étudiants donc, parce que vous leur facilitez l'approche. Surtout ceux qui sont à distance, comme à Montréal, ils veulent pas nécessairement se déplacer pour aller acheter sur place, sur le cégep, leur magasin. Ils préfèrent commander en ligne ou acheter des cahiers numériques. C'est aussi, ben, c'est plutôt innovant comme concept parce que, dans le fond, c'est plus adapté à la société d'aujourd'hui, c'est plus moderne. C'est mieux que, comme je disais, se déplacer pour aller acheter sur place. Aussi, c'est abordable vu que souvent, les étudiants, ils ont un moins gros budget. Donc, c'est bien que vous leur offrez, dans le fond, l'option d'acheter des livres numériques ou usagés qui sont moins chers. Puis finalement, il y a le côté écologique aussi qu'on trouve qui est très important. Il faudrait vraiment que vous mettiez de l'avant parce que dans le fond, bien, il y a beaucoup de jeunes que pour eux autres, c'est vraiment important l'écologie. Puis justement, en offrant des contenus numériques puis des contenus qui sont usagés, bien, c'est vraiment mieux pour l'économie, pour l'écologie, vu que vous, dans le fond, on n'a pas à produire de nouveaux manuels à chacun. Donc, on vous propose de mettre dès l'avant votre entreprise sur la plateforme Omniverse. Omniverse, on ne sait pas trop si vous savez qu'est-ce que c'est, mais en fait, c'est une plateforme qui est utilisée pratiquement à chaque jour par tous les étudiants des cégeps. Votre entreprise pourrait être dans la section autres services, qui est comme en fait, c'est comme un lien. Dès que les élèves vont cliquer sur le nom de votre entreprise, ils vont être dirigés directement sur votre site web. Après ça, vous pourriez aussi être dans le module Actualité, qui est vraiment au centre de la plateforme Omniverse. Ça vous fait vraiment une belle visibilité, par exemple en début de session ou quand vous faites des concours ou quoi que ce soit. Puis Omniverse, comme je disais, vraiment les étudiants, ils vont pratiquement à chaque jour parce qu'on a pratiquement tout là-dessus. On a des messages de nos professeurs, on a nos notes, des documents importants, l'actualité du cégep. Donc, vraiment, ça serait une super belle visibilité pour vous puis pour rejoindre les étudiants. Donc, comme je disais tantôt, on a fait un peu nos recherches. Donc, on allait voir votre Instagram. On a trouvé que vous aviez du bon contenu, mais qu'il n'était pas vraiment assez diversifié. Donc, on a fait un petit brainstorm, puis on est arrivé avec quelques idées dans le fond de publications que vous pourriez faire sur votre Instagram. La première, c'est qu'il y a des concours. Donc, comment ça marche ces concours-là? C'est que vous faites un post, puis les étudiants pour participer,
ou qu'ils repartagent ce post-là dans leur story. Donc, ça, en plus, bien, ça vous fait de la publicité qui est gratuite. Puis, dans le fond, vous pourriez faire gagner des prix qui sont en lien avec vos valeurs d'entreprise. Donc, on sait que l'environnement pour une entreprise, c'est plutôt important. Donc, vous pourriez faire gagner, mettons, un abonnement au transport en commun, vu que c'est bon pour l'écologie. Vous pourriez aussi faire gagner, par exemple, l'étudiant qui est gagnant, il se fait payer tous ses livres pour sa session. Aussi, il y a les Reels Instagram. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme un peu TikTok, mais pour Instagram. Puis ça, vu que c'est nouveau, l'application va vraiment mettre en avant les comptes qui publient beaucoup de Reels. Donc, ça serait quand même un bon aspect d'en publier beaucoup pour avoir une plus grande visibilité. Aussi, vous pourriez mettre des feedbacks positifs de vos clients. Donc, des avis des personnes qui ont fait affaire avec vous, qui ont aimé leur expérience. Donc, ça permet de mettre en confiance vos futurs clients. Puis aussi, ajouter une diversité ethnique. Donc, en 2021, surtout qu'à Montréal, maintenant, il y a beaucoup de diversité, ça aiderait, en fond, à que votre communauté soit plus inclue puis plus accueillie. Et finalement, vous pourriez mettre de l'avant que les étudiants peuvent se faire un profit en faisant affaire avec vous. Donc, en vendant leur ancien manuel, peuvent se faire un profit, puis ça pourrait attirer beaucoup d'étudiants. Pour compléter un peu ce que Alex disait, on a remarqué que vous n'utilisez pas d'hashtag sur vos publications. Les hashtags, c'est très important parce que c'est ça qui permet à du monde qui ne sont même pas abonnés à votre page d'y avoir accès. Il y a une place sur Instagram qui s'appelle l'Explorer. Ça, dans le fond, c'est vraiment tous les contenus qui sont vraiment boostés avec les hashtags. Fait que les gens qui ne sont pas abonnés, comme je disais un peu, à votre page, vont être capables de la voir une fois de temps en temps apparaître sur cette place-là. Là. Donc, après ça, il y a aussi TikTok qui est vraiment important du côté marketing parce que ça permet d'avoir une grande visibilité assez facilement. Puis, c'est vraiment un outil marketing qui est de plus en plus utilisé par beaucoup de marques. Donc, c'est vraiment comme un gros facteur. Puis, l'important avec TikTok, comme avec moi, tous les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être constant. Donc, de poster beaucoup pour que vraiment les applications ils vous mettent de l'avant. Puis, comme idée de TikTok, vous pourriez, par exemple, présenter le processus, comme les behind the scenes, un peu comment vous préparez les paquets. Puis, proposer puis présenter un peu l'idéologie de votre marque dont on parlait tantôt pour que les personnes qui ne connaissent pas encore votre marque, dans le fond, ils comprennent direct c'est quoi l'idéologie puis les valeurs de votre marque. On vous suggère aussi de faire affaire avec différents influenceurs parce que nous, à notre âge, bien, vraiment tous les étudiants du cégep sont sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, puis il y a plusieurs influenceurs sur ces réseaux sociaux-là à qui on fait quand même confiance dans... quand ils nous présentent des produits ou des services, peu importe. Puis, on a remarqué que il y a des influenceurs qui sont dans des cégeps, donc dans le collège La Salle. Puis, vous pourriez faire affaire avec eux, là, parce que, par exemple, pour promouvoir des concours, juste pour qu'ils puissent parler de leur expérience sur eux avec votre entreprise, puis des choses comme ça. Là. Les autres propositions qu'on a vous suggérées, puisque vous voulez instaurer ce concept-là là, dans un nouveau collège avant le début de la prochaine session, ça serait vraiment peut-être d'agir avant Noël pour tirer un panier de Noël avec tous les partenaires avec qui vous faites affaire. Là, on a vu sur votre site web qu'il y avait quand même beaucoup plusieurs, puis c'est très diversifié. Et peut-être partir un panier de Noël, les étudiants ils pourront s'inscrire s'inscrivant sur votre plateforme, sur votre site web. Dans le fond, quand ils vont s'inscrire, vous allez avoir accès à leur courriel. De ça, vous allez pouvoir créer des infolettes, leur envoyer par courriel, puis communiquer avec eux les rabais puis les concours en vigueur. Après ça, on vous suggère de faire un forum pour supporter les étudiants puis de créer un esprit de communauté. En effet, vous faites pas mal plus action là, en début de session quand les gens achètent les manuels. Donc, ça serait important de justement faire action toute l'année en avant une communauté là, qu'on garderait ça là, avec des forums d'aide. Et on vous propose aussi des stratégies d'acquisition qui sont plus traditionnelles, comme des publicités physiques dans les cégeps et dans les autobus et métros. Il y a la compagnie Astral qui en fait. Vous en avez souvent vu dans les toilettes ou des fois dans les métros, tout ça. Là, c'est une compagnie qui permet d'afficher des publicités. Après ça, on vous propose aussi de mettre des codes QR, là, fait des affiches avec des codes QR un peu partout dans les cégeps. Comme ça, c'est vraiment facile d'accéder à vos sites web. Un peu pareillement, là, les autobus, le métro, les gens à Montréal utilisent pas mal le métro comme façon de se déplacer, donc il y a des publicités avec Astral dans les métros puis les autobus. Donc, pour conclure, si on revient sur nos points les plus importants,
On vous conseille vraiment d'utiliser la visibilité d'Omnivoice à votre avantage parce que les étudiants du cégep y vont à chaque jour. Et on vous propose aussi de créer une communauté accueillante et dynamique à l'aide des différents réseaux sociaux parce que c'est vraiment de là que votre principale clientèle va venir. Puis on vous propose d'assurer la constance des publications pour garder la communauté active. Parce que comme je disais, vos points de vente importants, c'est vraiment en début de session. Donc, c'est important de garder aussi un contact constant durant l'année là, avec les gens en faisant des publications actives puis en ayant aussi une autre idéologie là, que l'école. Bonjour, cher jury. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre plan de marketing et les stratégies de communication adoptées pour l'intégration de Lexia au sein d'un nouveau campus collégial, et ce, dès janvier 2021. Nous vous dévoilerons en premier lieu le collège choisi. Nous avons fait une analyse de l'entreprise. Nous vous présenterons ensuite les stratégies et notre plan de communication pour finir avec le budget. Dans le fond, nous avons choisi la salle comme collège pour prendre l'expansion. Elle a 4000 élèves, 60 programmes dispersés sur 5 campus. Ça présente vraiment le plus grand marché des trois choix qu'on avait. C'est aussi situé au plein cœur de Montréal, avec plein d'autres universités et cégeps autour qui nous donnent place pour dans l'avenir de prendre l'expansion. Fait qu'on a choisi la salle pour ces raisons-là. Donc, Lexia a une concurrence directe avec la Coopsco, puis a également une concurrence indirecte avec Amazon, Kijiji, les librairies, puis ainsi toutes les plateformes, réseaux sociaux où tu peux dire je souhaite vendre un certain livre ou je souhaite acheter un certain livre. Sauf Lexia a plusieurs forces. Donc, on parle ici d'une livraison très rapide entre 24 heures et 48 heures. On a également accès à toutes les maisons d'édition. Lexia a également une plateforme déjà fonctionnelle et prouvée. Puis, elle a plusieurs partenariats ainsi que des employés à portée de main. Pour ce qui est des faiblesses, c'est une entreprise jeune, donc il manque un peu de visibilité. Plusieurs opportunités s'offrent, donc on voit ici une opportunité pour expandre le service à travers différentes institutions scolaires à travers tout le Canada. Puis également, on fait partie en ce moment d'une vague technologique où plusieurs entreprises vont faire un virage informatique. Donc, c'est une belle opportunité ici de venir prendre bénéfice de ce nouveau mouvement. Pour ce qui est des menaces, c'est un concept d'entreprise simple, ce qui fait que ça peut être affecté par le fait que quelqu'un peut copier le même concept d'entreprise. De plus, s'il y a un virage trop numérique où les livres seraient vendus majoritairement de façon numérique, il y aurait une perte de profit comparée à ceux faits à travers la vente de livres papier. On a également le profil de type consommateur suivant. Donc, on regarde pour des jeunes étudiants dans des cégeps ou dans des universités âgées environ de 17 à 26 ans. On regarde aussi pour des jeunes qui ont de la facilité avec les réseaux sociaux ou la technologie, qui ont généralement un faible revenu et qui ont également un sentiment d'appartenance avec des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que les siennes, telles que justement l'environnement. Maintenant, je vais enchaîner avec les stratégies de communication qu'on a élaborées. Donc, on en a trois. La première de celles-ci est un style de food truck qu'on nommerait le truck Lexia, qui serait présent directement sur les campus en début de session. Il se déplacerait sur les 5 différents campus du Collège La Salle et qui offrirait la possibilité de ramasser les livres directement sur place avec des offres et rabais exclusifs avec les partenaires, donc offrir des boissons énergentes gourou, des cartes cadeaux avec, par exemple, Metro, Case Me, aussi la possibilité d'acheter des vêtements et accessoires Lexia auxquels les jeunes pourraient ressentir le sentiment d'appartenance et promouvoir l'image de marque. La deuxième est axée principalement sur le numérique à travers 3 différents médias. En fait, selon une étude trouvée sur Internet, la tranche d'âge des 16 à 25 ans, soit les consommateurs visés dans ce cas-ci, sont présents sur 3 médias en particulier, Instagram à 82 %, TikTok à 38 %,
Vous allez me dire peut-être que c'est un faible pourcentage, mais TikTok a vraiment connu une forte ascension dans la dernière année avec plus de 2 millions de comptes créés. Donc, ces chiffres-là sont aussi en 2020, donc on s'attend qu'en 2021, ça aille augmenter beaucoup. Et finalement, Snapchat, qui est une plateforme très utilisée chez les jeunes étudiants, qui est très pratique aussi, notamment avec la story. C'est facile de partager nos expériences dans ce cas-ci. Bien évidemment, pour bâtir une bonne marque et une bonne communauté sur le web, il est important de s'associer avec différentes entreprises ou différents influenceurs. Dans ce cas-ci, on en a déterminé trois, soit Elisabeth Rioux, qui est une des plus grandes influenceuses sur Instagram avec 1,7 million d'abonnés. Elle est aussi propriétaire de la marque de vêtements et sous-vêtements Oaka. Donc, une possible collaboration avec sa marque de vêtements, de créer une collection de vêtements et sous-vêtements style Lexia auquel les jeunes pourraient accorder un sentiment d'appartenance avec autant sa marque à elle qu'avec Lexia, serait une voie envisageable. Aussi, il y a Claudie Mercier qui, elle, est principalement présente sur TikTok, donc pourrait vous aider à bâtir la page TikTok et les abonnés avec alors qu'elle compte à elle seule 985 400 000 abonnés. Et finalement, Nabil Larèche, qui lui est présent sur Instagram avec 241 000 abonnés, mais aussi présent sur YouTube alors qu'il est l'animateur du podcast Sous Influence, un podcast qui est directement axé pour les jeunes de moins de 30 ans. Le monde du podcast prend beaucoup d'expansion, donc je crois que ce serait bien de voir avec lui si c'est une possible collaboration pour faire passer des pubs de Lexia dans son podcast. Ce serait une voie envisageable. Pour le troisième, je vais laisser la parole à ma collègue Chloé qui va vous en apprendre davantage. Donc, on aimerait vous proposer de faire une collaboration avec le club d'entrepreneuriat du Collège La Salle. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est venir leur proposer une certaine facette du marketing de Lexia. Donc, on leur donnerait le projet de créer une séance d'information pour l'entreprise Lexia. Donc, dans le fond, il y aurait des tables d'information sur comment est-ce que la plateforme fonctionne, c'est quoi les services de Lexia, c'est quoi les valeurs, la mission, comment on vend un livre, comment on achète un livre, etc. Ça, ça donnerait une très belle visibilité au sein du cégep La Salle. De plus, ça viendrait rattacher les valeurs de l'entreprise Lexia dû au fait qu'on vient chercher la curiosité, on vient également motiver des jeunes entrepreneurs, on vient les aider et on vient également rejoindre la valeur de la passion. Donc, pour ce qui est du plan de communication de marketing, on veut vous proposer plusieurs leviers de communication. Donc, ces leviers sont atteints grâce à la promotion via les réseaux sociaux qui est faite grâce à nos influenceurs et également grâce au fait qu'on demande, qu'on propose en fond aux jeunes de partager leur expérience vis-à-vis Lexia sur les réseaux sociaux. On propose également la présence de Lexia sur l'interface du Cégep La Salle à travers le fait qu'on donne un projet justement à des étudiants de ce Cégep. Puis, on a également un levier de communication à travers la tournée Le Troc Lexia qui permet aux étudiants d'effectuer un début de session informé et également un ramassage de livres présentiel, puis ça donnerait également, dans le fond, des offres exclusives. Puis, dernier point, ça serait les références organiques et traditionnelles du bouche à oreille. Maintenant, pour ce qui vient au budget, nous avons été donné 10 000 $ pour le plan marketing de 2022. Nous avons choisi d'allouer 5 000 $ à la collaboration avec les influenceurs. Évidemment, c'est la façon la plus directe d'aller chercher les jeunes vu qu'ils passent autant de temps sur les réseaux sociaux. Nous avons donné 3 000 $ pour les collaborations avec les différents partenaires que nous avons et les promotions et les rabais qu'on va donner aux étudiants juste pour créer notre image avec eux. Et la location de la caravane est de 2 000 $. Ça va être un total de 15 jours. Et ça, c'est quelque chose de hors norme que les jeunes ne voient pas souvent.
Donc, ça va faire en sorte que ça va rester, Lexia va rester dans leur tête, dans leur mémoire, vu qu'ils voient juste une caravane passer. C'est pas toutes les entreprises qui choisissent de faire ça. Donc, voilà, ça donne un total de 10 000 $. En conclusion, n'attendez plus et économisez sur vos livres d'études avec Lexia demain. Oui, donc bonjour. Nous, on est Club Entrepreneur du Cégep de Rimouski. Fait que merci à toi, Jean-Michel, de nous présenter ta situation. C'est quand même une belle idée d'entreprise que j'ai moi-même déjà eue, mais que je n'ai pas moi-même lancée aussi loin. Je suis content de voir que tu t'es entouré de plein de bonnes ressources et que ça va probablement aller très loin, ton projet. Fait que rapidement, comme ça, nous, ce qu'on a compris de la situation, dans le fond, c'est que l'objectif, c'est d'aller chercher le plus de clients à un niveau collégial présentement, parce que c'est vraiment le marché sur lequel on veut attaquer présentement. On avait trois solutions pour le niveau collégial. Dans le fond, on avait soit le Collège La Salle, soit le Collège Saint-Laurent ou Notre-Dame. Puis, dans le fond, entre ces trois collèges-là, nous, on est arrêtés sur la décision de prendre le Collège La Salle. Les raisons sont simples. Un, il y a plus d'étudiants au Collège La Salle. Fait qu'à un niveau marketing et un niveau vente, c'est plus simple au niveau des ventes. On va en vendre plus. Et étant donné qu'il y a plus d'étudiants qui quittent et qui rentrent, il y a aussi plus d'inventaire de livres qui peut se générer de ce côté-là. Et aussi, ces étudiants-là sont plus prédisposés à répondre à notre service, à nous, que d'aller faire affaire avec leur coopérative étudiante, sachant que le Collège La Salle fait affaire avec LCI Fondation qui vont se financer entre collèges mondiaux entre eux et qui vont redonner les fonds à des plutôt à des causes d'analphabétisme et d'éducation étrangère. Donc, nous, ce qu'on vous propose ici, en amenant ça, c'est de vous lancer un positionnement. On veut vous dire que vos échanges, pour que ça change, Lexia, c'est un pionnier, un service révolutionnaire dans l'approvisionnement scolaire et dans la reforestation. Ici, on veut se placer comme étant un leader vert et augmenter le trafic web en développant davantage les services d'échange. Ce qu'on veut proposer aux consommateurs, c'est que pour chaque nombre de livres qui sont échangés, vendus, rapportés ou etc., Lexia s'engage à donner des fonds, verser des fonds à une compagnie qui pourrait planter des arbres et ainsi diminuer devenir carboneux d'ici 2022 de manière très rapide. De base, l'idée, nous, ce qu'on veut faire, c'est dans le fond développer une plateforme qui est communautaire et collaborative. On veut que chacun des étudiants puisse se connecter sur Lexia en se disant, ben parfait, j'arrive à l'école. Aujourd'hui, je vais pouvoir regarder toute ma liste de livres que j'ai besoin, racheter ces livres-là et moi-même me débarrasser des livres que j'ai utilisés la session dernière à un autre étudiant pour que chacun puisse s'aider. C'est vraiment un principe d'économie circulaire et à ça, on veut rajouter l'empreinte verte. Plutôt que de le faire sur Kijiji, qui serait la même solution, la même idée, on veut le faire en aidant la planète. Étant donné qu'on est une population qui est jeune et très sensibilisée à ces optiques-là, on pense que c'est important de promouvoir l'échange de livres, sachant qu'un livre est un art. Étant donné la nature cyclique des cycles scolaires, justement, les étudiants arrivent en début de session, vont quitter et à la suite revenir à l'hiver, etc. Fait que c'est important que quand on parle de notre compagnie et quand on fait valoir notre service, on le fasse à des moments qui sont clés et à des médias qui sont adaptés, évidemment. Fait que c'est pour ça que nous, on parle de publicité Facebook, Instagram et TikTok dans les débuts des sessions afin de pouvoir aller vraiment toucher les jeunes. On parle de publicité organique, évidemment. Puis on parle aussi après ça de si on va dans le sens de planter des arbres, etc., le TikTok pourrait servir en fait pour l'été, montrer les progrès et toutes les choses qu'on fait en fait avec la plantation d'arbres. C'est vraiment l'idée ici. Pour après ça, ensuite, avoir un retour en août, septembre, octobre, où ce qu'on va vraiment, vraiment repousser notre service à la fois et remontrer les progrès qui ont été faits d'année en année. L'idée ici, c'est de fidéliser la clientèle vers un mouvement vert. Le choix de ces médias-là s'explique de manière très simple, en fait. C'est Facebook et Instagram sont les médias les plus utilisés par les jeunes. C'est super simple de les rejoindre là-dessus. Ça a très peu de frais pour l'entreprise en elle-même. Ça permet d'acquérir la clientèle étudiante de manière très facile. On connaît aussi l'efficacité grandissante de TikTok de nos jours, en fait. TikTok est super bon pour envoyer ce que j'appelle des « feel good vibes » un peu. Dans le positionnement qu'on se donne ici, sachant qu'on veut avoir un impact positif à travers l'économie circulaire,
TikTok est un moyen adapté de faire des story reels où on pourrait montrer simplement les plantations d'arbres qu'on a fait durant la semaine, l'année, le mois, et etc. Et ainsi lancer un genre de communauté qui va nous follow facilement. On parlait aussi, juste avant que j'oublie, on parlait aussi de LinkedIn. Ce qui est important pour l'entreprise, ce serait d'avoir une page LinkedIn très meublée parce que justement, sachant qu'on veut s'aligner avec des compagnies comme exemple Ecosia, Reforest Action ou EcoTree, c'est important pour nous d'avoir une page LinkedIn très développée pour pouvoir s'assurer d'avoir la notoriété et toute la crédibilité qui est nécessaire pour établir ces partenariats-là. Étant donné la nature très faible des coûts, ce n'est pas nécessaire d'avoir un budget qui est extrêmement élevé. Les 10 000 $ alloués ici suffisaient amplement. On trouve logique de répartir le budget, surtout de manière massive, dans les 3 mois. La majorité du budget va aller dans les 3 premiers mois de chaque session. On peut voir ici que plus de 70 % du budget publicitaire, qu'on peut appeler, est vraiment en début de session. Et ainsi, après ça, le maintien d'une page TikTok, elle, serait le 20 % qui resterait du budget durant l'été. Puis on peut comprendre évidemment que les mois de décembre et les mois de novembre sont des mois généralement plus morts pour la communauté étudiante, sachant que la majorité retourne chez eux et tout ça. Ce n'est pas le moment où notre service serait le plus populaire. Donc, nous ici, ce qu'on se demande, par exemple, c'est la raison de pourquoi le service d'échange aux étudiants, l'échange de livres, en fait, n'est pas ouvert aux anciens étudiants qui, eux, pourraient encore avoir en leur possession des livres usagés, etc., pour augmenter votre inventaire de certification. On se demande aussi pourquoi il n'y aurait pas de tirage entre les membres qui, eux, vendent leurs livres à Lexia, pardon, afin de, exemple, gagner ton année scolaire en livres, etc., pour pouvoir avoir plus de incentive, je dirais, à participer à la plateforme, sachant que c'est au lieu de les revendre sur Facebook Marketplace, ben, tu as un plus gros gain à participer à Lexia. Et on se demande aussi pourquoi l'échange devrait être en fait ouvert au public entre les utilisateurs. Si moi, exemple, ancien étudiant de quelconque matière, je cherche des romans simplement pour me divertir, plutôt que d'aller sur Kijiji, etc., j'aimerais avoir une option sur un site tel que Lexia pour pouvoir avoir une influence verte positive de par mes échanges de livres et par ma lecture. C'est ce qui somme à peu près nos idées. Bonjour, donc nous sommes Consultation CAG. Je me présente, je m'appelle Chloé Grenier. Voici Sacha Nicolas, Mathis Valade et Rosalie Turmel. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter notre plan marketing pour la compagnie Lexia. Donc premièrement, on va vous parler du choix d'école, suivi des solutions proposées. Ensuite, on va vous parler du plan à court terme, du plan pour le courrier de relance, du plan à long terme, suivi du budget. Donc, l'école que nous avons sélectionnée est le Collège La Salle. Donc, le Collège La Salle, c'est un des collèges qui est à Montréal et on va vous expliquer pourquoi on a choisi le Collège La Salle. En fait, un de vos gros compétiteurs, ce serait le groupe Coopsco. Et le groupe Coopsco n'est pas encore bien implémenté à Montréal. Je le sais parce que je suis président de la Coop à Grasset. Et le groupe n'est pas encore beaucoup implémenté à Montréal. Ce n'est pas la même chose que la FQCMS. C'est vraiment un regroupement de toutes les coop d'une autre manière. Puis ça, ça va vous permettre de rentrer à Montréal en tant qu'eux pour qu'on puisse rivaliser avec eux. Le magasin de Laval n'a pas de site web. De La Salle, désolé, n'a pas de site web. Ils sont également trop gros pour avoir beaucoup de loyauté envers le magasin. Donc, je ne pense pas que les élèves ont beaucoup de loyauté pour le magasin. Puis les relations entre les étudiants sont quand même faibles parce que c'est vraiment une école qui est axée sur des gens qui ont déjà un emploi, qui font déjà quelque chose. Donc, souvent, ils ont un emploi sur le côté, ils font une certification supplémentaire. Ça, c'est aussi votre clientèle cible parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller faire une file d'attente dans un magasin pour acheter des livres. Donc, c'est rapide, efficace et c'est ce que vous offrez. Donc, ce qu'on offre comme solution, c'est vraiment une solution de premier contact. Donc, nous autres, ce qu'on offre, c'est avoir un premier contact avec les élèves, une reconnaissance de marque, faire connaître votre nom parmi les étudiants. Pour ce qui est de la rétention puis de la loyauté, ça va se faire plus tard parce que votre produit est déjà là, votre produit est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le Collège La Salle, c'est 5 grandes écoles. Nous autres, on va faire un partenariat avec 4 des grandes écoles. On va les énumérer plus tard tantôt. Et on va leur offrir un budget pour qu'eux autres fassent quelque chose de leur cru. Et ensuite, on va faire des concours pour avoir les courriels des gens.
gens. Et avec ces courriels-là, on va pouvoir faire une infolettre et partager un slogan pour une reconnaissance de marque dans le collège. Alors, dans un plan à court terme plus spécifique, dans un premier temps, vraiment le plus rapidement possible, dès aujourd'hui, le but est de rentrer en relation publique, en relation de partenariat avec les 4 associations des 4 écoles spécifiques. Alors, on va vraiment vouloir rentrer en relation avec eux et bâtir une relation de confiance et de partenariat. Ensuite, dès la semaine prochaine, ça aussi quand même très rapidement, c'est contacter les partenaires. On a choisi comme partenaire un des partenaires que vous avez déjà, qui est Guru. On a choisi Guru parce que les étudiants aiment Guru et ça dégage un peu les mêmes objectifs que vous, qui est d'être simple et efficace. Ensuite, en début décembre, on va donner notre argent pour les concours ciblés. Alors, on va distribuer des sommes qu'on va voir plus tard dans le budget. On va distribuer ces sommes-là vers les concours ciblés. Il va vraiment avoir un concours par petite école spécifique du Collège La Salle. Ensuite, à la mi-décembre, là, ça va vraiment être notre événement important. Ça va s'appeler l'événement Guru avant les examens, ou c'est comme ça qu'on l'a vraiment résumé. En fait, on va donner des gurus en échange d'une participation à un concours où les étudiants peuvent gagner 1 500 $ en épicerie. Et avec ces emails-là, ils vont pouvoir repartir avec leur gourou, courir la chance de participer au concours d'épicerie de 1 500 $. Et aussi, on va avoir plus de données et on va avoir une plus grande base de données à propos de nos prochains clients. Alors, avec cet événement-là, par la suite, on va procéder à un courriel d'information sur la vente des livres usagés. Alors, d'un coup, que tout le monde va être venu pendant les examens, et c'est vraiment important que l'événement se passe pendant les examens, parce que lors des examens, tout le monde est présent à l'école. Il n'y a pas personne qui manque les examens. Alors, avec les gourous qu'on aura distribués et les emails qu'on aura recueillis, on va procéder à un courriel d'information où on va offrir d'acheter les livres et les manuels usagés des élèves. Alors là, on va vraiment accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres pour ensuite, et ça va être bien pour eux aussi parce qu'ils vont juste venir de finir leur examen et ils vont vouloir se débarrasser de leurs livres et en même temps faire une place pour le budget des fêtes, le budget de Noël. Et ensuite, au début de la session d'hiver 2022, on va envoyer un courriel de relance pour là vraiment distribuer l'offre qu'on a eue aux examens, la redistribuer aux personnes en demande. Alors, comment on vous propose de structurer votre courriel de relance? Alors, l'objet du courriel pourrait être « Manuel scolaire, c'est réglé ». Ça pourrait piquer la curiosité des étudiants qui recevraient le courriel. « Comment ça, manuel scolaire, c'est réglé ?» Ils cliqueraient, entraient dans le courriel et ils verraient le slogan « 2 minutes, c'est commandé, 48 heures, c'est livré ». Alors, donc, ils trouvaient que ce serait vraiment une bonne opportunité. Ensuite, vous pourriez écrire dans le courriel qui vous êtes. Donc, vous pourriez écrire « Nous sommes une entreprise qui a pour but de vous aider à l'acquisition rapide et efficace de vos manuels sans vous déplacer. Visitez-nous et bonne rentrée d'hiver. » Alors, c'est un message le fun à recevoir. Et ensuite, vous pourriez avoir le lien de votre site web en dessous et vous pourriez cliquer pour accéder à votre superbe site web. Donc, pour le plan à long terme et la fidélisation de la clientèle, on vous propose d'implanter un service de tutorat. Ce serait un plus-value, ce serait juste une petite fonctionnalité ajoutée à votre site Internet que nous vous proposons d'implanter en février 2022. Alors, vous avez déjà un système implanté pour les manuels usagés. Donc, vous avez un système pour créer des liens entre le vendeur et l'acheteur. Pour les manuels usagés, vous pourriez faire le même système, mais avec un service de tutorat. Donc, ça serait juste un petit plus-value pour votre entreprise. Ensuite, vous nous aviez dit ce matin que vous aimeriez, dans les 3 prochaines années, implanter la vente de fournitures scolaires. Donc, en avril 2022, on vous propose d'implanter ça sur votre site web. Ça permet, comme vous avez dit plus tôt, d'acheter les manuels scolaires et les fournitures scolaires en même temps. 48 heures, les étudiants reçoivent, c'est rapide, c'est efficace. Ensuite, en mai 2022, on vous propose de faire de commencer votre recherche commerciale pour les universités de l'Ouest canadien. Vous avez dit plus tôt ce matin, on aimerait étendre notre service au niveau canadien et ensuite à l'international. Donc, vous pourriez commencer votre recherche commerciale en 2022.
Par la suite, en août 2022, nous proposons d'essayer d'acquérir trois gros collèges à Montréal. Donc, on propose le Collège Montmorency, Collège UNSIC et le Vieux-Montréal. Ça vous permettrait de créer un réseau de bouche à oreille. Et en janvier 2022, vous pourriez avoir comme objectif d'acquérir 10 autres nouveaux collèges. Donc, pour ce qui est du budget, en fait, comment on a réparti ça? On a pris les quatre grandes écoles que je vous ai dit plus tôt, donc modèle, mode art et design, VFX, jeux vidéo et jeux vidéo, sciences et techniques humaines et hôtellerie et tourisme. Donc, ça, c'est les quatre grandes écoles. Donc, ce qu'on ferait, c'est un partenariat vraiment avec l'association de chacune de ces écoles-là, ce qui nous permettrait vraiment d'aller chercher les gens dans cette école-là. Ce qu'on fait, c'est 1 000 $ à chacune des écoles pour financer un projet de leur crue. Donc, mode et art et design, ils ont un gros, gros défilé de mode. Ça serait parfait pour les aider. Ça permet de faire connaître votre marque auprès des gens de l'association. Et ensuite, un autre 1 000 $ pour faire un concours. Donc, eux, ils décident un peu, ils gèrent le concours, ils décident un peu ce qu'ils font. Mais vous, vous recueillez des courriels et vous faites connaître votre marque auprès des étudiants. On pourrait faire ça avec chacun. Ils décident un peu ce qu'ils font tirer. Ensuite, on aurait un concours avec l'association étudiante, comme mentionné plus tôt, de 1 500 $ d'épicerie. Et ça serait pendant la session d'examen de cet hiver, où on aurait un kiosque où on donnerait des gourous. Vous pouvez le voir sur la caméra de l'autre caméra qui est ouverte. Le kiosque aurait l'air de ça. Ce serait comme directement dans l'entrée. Allez-y. OK, je pense qu'il y a un problème avec l'autre micro. C'est pas grave. Donc, le kiosque aurait l'air de ça. Les étudiants rentreraient. Il y aurait des gourous. Ils pourraient déposer leur manuel scolaire et on pourrait recueillir des courriels et faire connaître la marque. Tout ça pour un total de budget de 9 500 $. Donc, merci beaucoup et en espérant que vous implémenterez nos solutions. Alors, bonjour. Donc, moi, mon nom, c'est Alexandre Crête. Aujourd'hui, moi et mes camarades, on voulait vous présenter, dans le fond, ce à quoi on est venu comme conclusion là, lors de la résolution de cas. Donc, nous, on est du Club Montmorency, de Club M. Donc, on représente le Club M du Collège Montmorency. Donc, pour commencer, on va vous introduire à notre choix. Dans le fond, on a choisi le campus Notre-Dame. Puis tout ça dans une optique, on a quand même fait une grosse évaluation, une grosse recherche. On a regardé les trois campus qui étaient présenté. On a décidé de choisir le campus Notre-Dame principalement parce que c'est une école francophone et qu'il y avait, on misait aussi sur une présence des étudiants sur le campus versus en ligne à la salle. Et puis aussi, c'est quand même un collège qui a beaucoup d'étudiants, donc 1 500 autour de ça, là, de ce que je me souviens. Et puis, on avait aussi trouvé là, que c'était plus fameux d'utiliser pour l'instant, en tout cas, vu que Lexia était plus axé sur le marché francophone, là. On s'est dit c'est peut-être plus risqué d'aller pour l'instant dans un marché anglophone puis de miser plus sur une stratégie vers les francophones vu que les produits sont, de ce qu'on a compris, principalement en français. Donc, on s'est dit, ça va peut-être être mieux d'aller chercher un cégep qui a un petit peu moins d'étudiants, mais qui sont en présentiel et puis qui parlent français, là. Donc, dans le fond, vraiment, qui sont la meilleure clientèle pour Lexia en ce moment. On avait aussi pensé à ça parce que ça l'offrait plus d'avantages que la concurrence parce que nos forces au niveau de Lexia qu'on avait trouvé, c'est que c'était disponible en tout temps, donc le jour et la nuit, et ça toute la semaine, toute l'année, donc c'était vraiment accessible, là. Puis qu'il y avait une beaucoup plus large éventail de produits disponibles que ce qui était offert par la coop du Collège Notre-Dame. Donc, c'était vraiment, on a vraiment évalué les deux plateformes, là, puis on est allé regarder point par point, puis on a retiré vraiment ce qu'on trouvait qui était le plus avantageux, là. Mais au niveau de Lexia, c'était vraiment ça. C'est disponible en tout temps, un plus grand éventail de produits que la coop de Notre-Dame. Il y a aussi un gros avantage au niveau des étudiants. Il n'y a pas de file d'attente sur Lexia, en tout cas, à moins qu'on sache, là, mais il n'y avait pas de ligne d'attente dans les gros rushs de début d'année, tout ça. Donc, c'était vraiment un sévère avantage là quand on a tout notre temps à économiser. Puis aussi le fait qu'au niveau de l'économie d'argent, là, au niveau des livres usagés, tu sais, on parle d'un livre qui est vendu en partant à 50% minimum de moins vu qu'il est usagé, mais on économise aussi les taxes, fait que ce qui n'est pas à négliger là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être utilisé pour les
pour pitcher au niveau des étudiants. Puis aussi, en comparant les deux plateformes, là, on s'est rendu compte que vraiment, la plateforme Lexia était beaucoup plus user-friendly pour les étudiants que la plateforme du Cégep de Notre-Dame. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait remarqué et qu'on trouvait vraiment très, très, très pertinent. Puis, on a aussi pensé au niveau, tu sais, de la concurrence, parce que là, on a regardé ça et on s'est dit, bien, Lexia, la coop, vendent les deux des livres, des manuels scolaires, des livres. On s'est dit, il va y avoir un aspect de concurrence aussi. Tu sais, on s'est dit, en faisant notre analyse des trois Cégeps qui étaient là, on s'était dit, bon, on va essayer d'en trouver un qui n'a pas de coop. Donc, qui n'a pas de coop, qui est majoritairement francophone, qui ont des élèves en présence, puis qui sont quand même avec une certaine population étudiante. Et là, on regarde ça, on s'est rendu compte que les trois avaient des coops. Fait qu'on a dit, bon, ça, c'est pas tellement un argument de vente pour l'instant. Puis après, on est revenu, on a dit, OK, ouais, mais les coops ont des différents volumes. Fait que là, on a regardé, puis on s'est rendu compte que la coop Notre-Dame était vraiment plus petite que les deux autres. Fait qu'on s'est dit ça, ça pourrait quand même être un avantage, une force pour la compagnie. Puis on s'est dit aussi que cette concurrence-là pourrait aller chercher une concurrence au niveau des prix, donc peut-être amener la coop à baisser ses prix ou même de notre bord au niveau de Lexia de baisser puis de jouer un peu pour être compétitif. Fait que ça, c'est plus un avantage pour l'étudiant, mais ça reste une force qu'il y a une possibilité au Collège Notre-Dame d'aller chercher le monopole, donc d'aller vraiment chercher la plus grande part du gâteau. Au niveau des faiblesses, bien, c'est sûr qu'il y a la concurrence, là, on ne se le cachera pas. Au niveau des livres neufs, il y a toutes les librairies, les Amazon, puis tout ça, tout ce monde. Puis après ça, au niveau de l'usager, bien là, il y a Kijiji, Facebook, Marketplace, comme vous disiez tout à l'heure dans la présentation. Fait que ça, quand même, il y a quand même de la concurrence, pardon. Mais ça reste qu'il y a plus de force que de faiblesse, là, puis que c'est quand même un grand avantage comme faiblesse. Là. Il n'y a pas. C'est des compétitions théoriques parce qu'il n'y a pas de vente d'usagers sur Amazon, tout ça. C'est vraiment pas un marché qui est là, qui est surpeuplé. Là. Vraiment, il y a des livres usagers spécifiques pour l'étudiant. Il n'y a pas de plateforme à ma connaissance. Il y en a quelques-unes, mais je pense que Lexia pourrait vraiment se développer à ce niveau-là. Puis le service, ben, il n'est pas disponible tout le temps non plus au niveau de la coop. Là. Fait que ça, c'était pas fameux. Puis, de votre côté, ben le service est uniquement disponible en ligne. Fait qu'il n'y a pas de moyen d'aller sur place, ce qui constitue une faiblesse parce qu'au niveau des personnes plus conservatrices qui veulent feuilleter tout ça, ça peut être un désavantage, quoique ça reste théorique. Au niveau de notre stratégie d'acquisition, nous autres, on visait beaucoup sur la présence lors des événements. Donc, on s'est dit que ce serait peut-être plus efficace que Lexia soit là, sur place, pour parler aux étudiants, pour leur présenter la plateforme. Donc, d'instaurer aussi des concours, tout ça, puis d'être vraiment présent lors des événements. On voulait aussi utiliser les réseaux sociaux, les associations étudiantes, les comités verts, les équipes de sport, tout ça, pour publiciser nos présences. Donc, dans le fond, utiliser ces moyens de communication-là, puisque c'est quand même, on veut pas créer une page Instagram, mettons, Lexia Collège Notre-Dame, on trouve que c'est inutile, on repart de zéro, tandis que la page du collège a déjà une communauté présente, donc le message serait assurément vu et partagé. Le comité vert, on l'utilisera en fait, vu que Lexia prend quand même des valeurs d'équité environnementale au niveau de la réutilisation des livres, puis tout ça, la vente de livres usagés, tout ça. C'est un grand avantage, puis si on réussit à aller chercher le comité vert, là, ça, c'est un grand plus, parce que non seulement nous, Lexia, on est en présence aux grands événements du Cégep, mais le comité vert va nous faire connaître à l'intérieur, puis va prôner les mêmes valeurs que nous sensiblement au niveau de l'écologie, donc vraiment aller chercher un grand bassin d'étudiants, parce que ça reste que l'écologie présentement, c'est un enjeu très, très, très présent au cœur de nos préoccupations étudiants. Et puis, on pensait de créer une journée de vente, dans le fond, où Lexia pourrait être là, mais en plus d'être là pour expliquer le concept, être là aussi pour présenter, avoir les produits que qu'on vend sur notre plateforme propre au campus, donc de permettre aux étudiants de venir acheter puis d'éviter les frais de livraison, tout ça. Donc, de joindre un peu l'utile à l'idéal, puis éventuellement de peut-être offrir aux vendeurs usagers d'envoyer leurs livres puis que ce soit amené au cégep comme ça lors de ces journées-là ou de leur permettre de venir les vendre directement sur à votre kiosque. Donc, ça, c'était pas mal ça. Puis éventuellement, sur votre site, peut-être une proposition d'amélioration, ce serait d'ajouter un endroit où ce que les campus peuvent envoyer les listes de manuels scolaires. Comme ça, l'étudiant pourrait tout de suite voir est-ce que tous mes livres sont là ou faut vraiment que j'aille à la coop. Ça pourrait être aussi ça, une autre chose à faire. Donc, en bref, notre stratégie vise vraiment une meilleure expérience, une réduction du prix. Puis vraiment, là, le plus grand avantage qu'on a trouvé à Lexia, c'est une accessibilité
tellement grande que c'est vraiment super pour un étudiant. Puis, ça nous évite vraiment des longues heures d'attente à coop. Juste à un moment-ci, c'était 4 heures d'attente pour aller faire nos achats. Ça n'avait pas de bon sens. Donc ça, je pense qu'au niveau de ça, l'Excel répond à un besoin. Puis ça, vraiment, ce serait quelque chose à prôner lors des communications, que ça économise du temps et qu'il y a vraiment une réduction du prix puis tout ça. Donc ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Puis comme je vous disais, bien, c'est vraiment de miser lors des communications sur l'économie de temps, d'argent, mais aussi sur tout l'aspect environnemental de l'achat usagé. Puis, dans le fond, de faire comprendre à l'étudiant là, que Lexia, c'est la meilleure plateforme pour l'achat usagé, puis d'avoir des manuels qui répondent aux attentes, puis qui font économiser du temps, tout ça. Puis là, l'aspect budgétaire, on a décidé vraiment d'aller, pas nécessairement dire on met 2500 à ça, tout ça, non. On a décidé d'aller aux grandes lignes puis dire, nous, on pense que c'est ça que vous devriez mettre comme catégorie de budget. Donc, dans le fond, on pense que dans votre budget de 10 000 $ vous devriez consacrer une partie à la création du contenu pour les médias sociaux, que ce soit un sous-contractant ou bien, dans le fond, un graphiste à l'interne. Le salaire des employés qui vont se déplacer sur place. Tous les frais d'administration, donc l'adjoint qui fait la liaison entre l'école puis Lexia. La gestion, coordination, les impressions, tous ces frais-là, frais de location, transport, tout ça, d'offrir des prix de présence, des concours, puis éventuellement, ça, c'est pas dans le budget, mais de développer des partenariats avec des nouvelles entreprises, toujours dans l'optique d'aider l'étudiant à travers son quotidien, ou encore d'offrir des rabais pour les gens qui sont là, donc des rabais un peu flash, si on veut. Donc, dans le fond, on souhaite vraiment vous remercier de nous avoir écoutés, puis on est là pour répondre à vos questions. Bonjour Jean-Michel et bonjour Manon. Je ne sais pas si vous préférez le tutoiement ou le vouvoiement, mais donc voilà mon plan de marketing. Donc ici, vous avez proposé de demander quel collège cibler. Donc moi, en fait, qu'est-ce que j'ai proposé, c'est de cibler le collège La Salle. Donc je sais déjà que vous avez 40 000 membres sur votre plateforme environ, mais le collège La Salle, il y a 4 000 membres de plus qui pourront s'ajouter à votre plateforme. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée de choisir ce cégep. Donc, qui dit plus de membres, plus de profits. Donc, c'est ça. D'une part aussi, les étudiants sont à distance. Donc, c'est sûr que s'ils sont à distance, ils vont prioriser l'achat de livres en ligne. Mais par contre, il faudra acheter des livres en anglais parce que je sais que votre plateforme, c'est plus les livres francophones. Donc, ici... Pour la stratégie d'acquisition, moi, je suis pas vraiment quelqu'un de marketing, donc j'ai fait mon possible, mon maximum avec mes capacités. Donc ici, je dirais que ce que je vous proposerais en fait, c'est que d'inclure votre plateforme, la publicité dans des circulaires. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je sais que vous avez des de la collaboration avec, par exemple, Metro Plus. Donc, je me disais que ça serait une bonne idée d'inclure votre publicité avec eux parce que, par exemple, les parents, quand ils vont, par exemple, au métro pour acheter l'épicerie, s'ils voient, votre publicité de votre application, ben à partir de là, ils pourraient faire le retour à leur enfant. Donc, ils diraient, oh, ma fille, il y a une publicité qui monte, je pourrais acheter des livres et je pourrais avoir un rabais. Donc, ça les servirait aux deux. Donc, je trouve que c'est un bon moyen. Je sais qu'il y avait un petit contre les publicités, mais en fait, je me disais, c'est quand même une bonne idée de faire ça. Aussi, je me disais aussi sur la recherche Google, en fait, ça serait bon aussi de... Je sais qu'il y a une possibilité de faire en sorte que votre site web s'affiche en premier. Donc, par exemple, quand quelqu'un veut faire, par exemple, acheter un livre scolaire, le fait que votre application soit premier, ça viendrait aider parce que il cliquerait en premier sur votre site. Puis ça les permettrait de voir tout ce qu'il y a dessus. Et aussi, en fait, ce serait bien de mettre vos partenariats, c'est-à-dire que avec qui vous faites affaire pour monter votre crédibilité, votre fiabilité. C'est ça, en fait, pour ma stratégie, en fait, c'est le gros que j'ai trouvé. Et si je pouvais ajouter un dernier point, c'est que je me disais aussi que ce serait bon de... Je sais que vous faites un peu aussi vous vendez numériquement, mais je disais que ce serait encore mieux de prioriser de vendre numériquement parce que je sais que vous énoncez que
vous diminuez le coût de gaz à effet de serre. Donc, je disais que ce serait une meilleure idée de comme, vraiment faire en face dans les années à venir, de prioriser le numérique. Mais je sais que vous avez quand même la compétition avec ces Kuzuk. Mais eux, par exemple, leur plateforme, j'ai regardé rapidement, mais eux, ils vendent des livres qui sont quand même anciens. Et puis, je sais que vous, c'est plus moderne. Et je sais que vous pouvez quand même vous procurer des livres qui sont récents et modernes, exactement. Donc, je pense que ce serait une bonne idée. Et ça évitera aussi les gaz à effet de serre lors des livraisons. Parce que si vous achetez des livres, vous devez les livrer. Puis, les camionneurs, ils doivent conduire. Puis, ça émet du gaz. Si c'est numérique, ça éviterait tout ça. Donc, voilà un peu, ça fait un peu le tour de ce que j'ai trouvé. Donc, je sais que c'est pas beaucoup, mais j'ai fait le maximum. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Mohamed Melessi Fani. Je suis étudiant en gestion et comptabilité. Nous avons décidé aujourd'hui de nous présenter devant vous pour résoudre les cas de votre entreprise. Pour ce faire, on a bien pris en compte la problématique de l'entreprise et le vouloir de l'entreprise de vouloir expandre son marché. C'est pour ça que nous avons fait un choix qui nous a amené au Collège La Salle, qui nous a semblé être le meilleur marché, le meilleur collège que Lexia devra s'implanter. Et c'est ça. En fait, mes collègues vont vous présenter le gros de notre choix, le pourquoi on a fait ce choix-là et tout ce qui suit. Voilà, je vais vous laisser avec Olivier et puis il va vous présenter les forces et les faiblesses de notre choix. Bonjour, je vais vous présenter pourquoi on a choisi le Collège de la Salle. En fait, on a choisi le Collège de la Salle parce que c'est un cégep qui a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, les étudiants internationaux font leur épicerie eux-mêmes. Donc, vu qu'il y a des rabais sur l'épicerie, ça serait une bonne idée. Puis aussi, il y a beaucoup d'étudiants en mode, en or et en design. Donc, ça nous permettrait de faire des concours de mode ou de design, comme pour les chandails, comme on pourrait faire des concours pour le design et ils pourraient gagner un prix. Puis pour c'est un cégep qui est bilingue. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est vendre aussi des livres en anglais et en français. Et pour les menaces, il y a déjà un magasin scolaire qui vend des livres au cégep. Donc, ça pourrait faire de la compétition. Puis l'autre faiblesse aussi, c'est qu'il y a déjà des vêtements avec le logo du cégep qui sont vendus à l'école. Donc, ça pourrait faire aussi de la compétition si on le vend des vêtements nous-mêmes. Il y a aussi que c'est un cégep qui a beaucoup de cours en ligne. Il y a une partie des étudiants qui sont en ligne, donc les étudiants en ligne ne vont peut-être pas aller aux événements en présence. Oui, donc c'est ça. Donc, comme vous voyez un peu sur l'écran, on a fixé un peu d'objectifs. Dans le fond, la raison pourquoi on a mis ça un peu dans notre visuel, c'est que dans le fond, on voulait vraiment garder ça en tête alors qu'on préparait le plan de marketing, pour vraiment pouvoir vraiment cibler ces deux affaires-là. Donc, premièrement, le processus rapide et à long terme. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on veut qu'en entrant au cégep, ça soit pas comme un processus qui prend longtemps, faire tout le marketing avant que vraiment on voit Lexia au cégep. On veut vraiment que, dès qu'on y arrive, bien, Lexia est présent, puis tout le monde le connaît. Puis le deuxième, à long terme, c'est que, dans le fond, on veut pas tout simplement faire un événement, quoi que ce soit, puis que là, ben après une semaine, deux semaines, l'école continue, puis après, c'est oublié, là. On veut vraiment pouvoir faire une présence à l'école, au cégep La Salle, pour que vraiment les étudiants puissent s'en rappeler, puis que ça vient vraiment faire partie intégrante de l'école.
Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que ça serait un système plus répétable dans d'autres cégeps, que ça soit pas juste un plan pour la salle, puis qu'ensuite, ben, quand tu vas faire l'autre cégep, ben, faut que tu fasses un autre plan, quoi que ce soit, toujours de refaire d'autres plans, mais que c'est vraiment un processus que tu peux faire à tous les cégeps. Tu peux modifier un peu, mais quand même que, en général, tu puisses le garder quand même assez pareil. Deuxièmement, avec ça, c'est que ça soit grandissant en nature. Donc, vraiment, avec le plan qu'on fait, le marketing qu'on fait, qu'au fur et à mesure que les années avancent, ben, que ça soit pas juste stagnant, mais que ça soit toujours un processus en évolution de marketing. Puis vraiment, avec ça, on bâtit une présence à l'école, tu sais, comme la coop, ils ont quand même une assez grosse présence dans la majorité des cégeps. Ben, on veut vraiment bâtir une présence aussi pour Lexia, pour qu'éventuellement, tu sais, comme vous avez écrit dans le cas, vous voulez éventuellement devenir un one-stop shop. Ben, avec la présence à l'école, les étudiants vont pouvoir rapidement savoir que ça, c'est là, puis qu'ils peuvent vraiment l'utiliser justement pour tous leurs besoins. Pour la session d'hiver, on a pensé à faire plusieurs événements, dont le premier, ce serait d'organiser une rencontre avec les professeurs. Dans le fond, on veut que les professeurs ils sachent c'est quoi Lexia, puis c'est quoi le but, qu'est-ce qu'ils comptent faire aussi dans le système de l'école. Puis avec ça, ben, les professeurs ils vont pouvoir influencer leurs élèves par la suite dans les cours. Puis, on a mis un code QR ici que vous pouvez scanner. Ça, c'est un exemple de pamphlet qu'on pourrait distribuer dans un événement entre professeurs. Puis, sur le pamphlet, ça dit en gros c'est quoi la mission de Lexia et c'est quoi le but. Puis, il y a aussi on dit aussi qu'il y a la livraison, il y a un processus rapide puisque la livraison se fait en moins de 48 heures. Et oui. Puis par la suite, on a le kiosque de présentation. Donc ça, on a prévu de le faire en début de session. Donc dans la première semaine, on organise une petite, on met une table à la cafétéria pour inciter les jeunes à venir voir c'est quoi Lexia. Puis vu qu'il y a beaucoup de gens à la cafétéria, ben on avait pensé à organiser comme un mini concours, mais comment ils allaient s'inscrire. On avait pensé à que quand les élèves ils achètent un livre, ils s'inscrivent automatiquement dans un concours, puis il y aura deux gagnants. Donc les deux gagnants, ils gagnent deux MacBooks, un MacBook chaque dans le fond. Puis, par la suite, on leur donne un rabais de comme 5$ pour leur prochain achat. Ça, c'est pour les inciter, pour découvrir un peu plus c'est quoi Lexia. Et je vous laisse mon collègue. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, pour la prochaine affaire, c'est, comme vous pouvez sûrement lire à l'écran, c'est un événement sportif qu'on essaierait d'organiser un peu pour le cégep. Donc, dans le fond, ça, ce que c'est que on aurait plusieurs sports qu'on pourrait venir faire. Ça serait plus, ben, pas quand il neige, là, ça serait vraiment plus vers la fin de la session d'hiver. On viendrait vraiment à organiser plusieurs différentes activités pour les gens du cégep qui puissent venir, que ce soit pour participer aux activités sportives ou pour aller encourager leurs amis, faire du social un peu. Mais ils peuvent tous y aller et participer. On mettrait un léger coût de participation qui serait seulement de 5$, tu sais. C'est pas tough à accumuler 5$, tu sais. Tu vas voir Ginette à côté, tu pèses ses escaliers et tu as déjà ton 5$, là. Donc, tu sais, les gens, ils vont avoir aucun problème à venir y participer. Puis même ceux qui participent aux activités sportives, ben eux, ils vont vraiment être contents de le faire parce qu'on mettrait une récompense d'une valeur de 500$ pour les équipes gagnantes de chaque sport pour qu'ils puissent diviser entre l'équipe. Et vraiment, de cette manière-là, avoir une incitation à venir participer. Puis aussi, la deuxième partie un peu de cet événement-là, c'est qu'il y aurait le partenariat avec Strava. Donc, dans le fond, comment ça fonctionnerait? C'est qu'on les encouragerait, vu que ça serait plus avant l'été qui s'en vient. On mettrait un barème un peu d'activité sportive pour l'été. Donc, dans le fond, Strava, ça vient enregistrer un peu les différentes activités physiques que tu fais.
Donc, on mettrait un peu l'incitation à faire des activités physiques tout au long de l'été. Puis avec un certain, selon les différents barèmes qu'on aurait pour les différents niveaux d'activité physique, bien, on pourrait donner des rabais selon les différentes étapes qu'ils vont franchir et ainsi leur donner un rabais pour leur livre au moment que l'automne arrive, puis c'est la session prochaine. Donc, pour la session d'automne, on a pensé aussi de faire une pièce de présentation, encore une fois, juste pour rappeler aux jeunes, dans le fond, que le système Lexia, il est toujours dans le système de l'école, mais aussi pour juste donner un avant-goût de notre prochaine étape de notre plan de marketing. Donc, ce serait une compétition de mode. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, la dernière étape, vite, c'est un concours de mode. Donc, dans le fond, ce que ça serait, vu que c'est la plus grande école de mode au Canada, on ferait un concours pour que les étudiants ils puissent essayer de modeler le chandail à leur goût pour le prochain chandail qui serait au Cégep. Bonjour, mon nom est Anna Bouguet-Florestin. Moi et mes collègues Donna et Christy, nous avons travaillé sur la résolution de cas Lexia. Premièrement, nous avons choisi le sujet Larson parce qu'on s'est dit que puisque c'est un sujet anglais, vraiment ça va favoriser l'expansion puisque toutes les autres provinces du Canada parlent anglais et aussi le fait que c'est proche du siège social de la compagnie, ça va donner un bon service à la clientèle et un bon feedback et aussi le sujet Larson c'est une petite communauté donc ça va renforcer les liens entre ça va favoriser les liens entre les autres étudiants. Est-ce que je peux... L'écran... Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une petite communauté, mais en même temps, ça pourrait donner un bon commencement à la compagnie de travailler avec une petite communauté. Comme ça, en plus c'est anglophone, donc si genre ça marche bien avec le sujet Larson, après ça, ça peut facilement faire de bouche à oreille entre les autres provinces. Et c'est ça. Ma collègue Donna va prendre la suite. Parfait. Donc, comme ma collègue Anna Miguel a dit, vu que ça va être vraiment... Ben, c'est une petite communauté, puis c'est vraiment à côté du siège social. Donc, on s'est dit vraiment le présentiel serait la meilleure chose au monde. Comme ça, en même temps aussi, quand on est en présentiel, dès qu'on a le feedback, on peut agir rapidement puis ajuster l'implantation. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des étudiants qui vont aller étudier après au Québec, mais dans un endroit, dans un cégep ou une université anglophone, ou aussi peut-être à travers le Canada aussi et aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour l'expansion internationale. Aussi, sur place, ce qui est important de faire, c'est vraiment des activités, en fait, des événements, peut-être... d'ici la fin de cette session pour pouvoir commencer l'implantation. Ensuite, aller voir un match de hockey des Lions, qu'ils appellent ça. On s'entend, comme tout le monde est toujours présent, fait que ça va être vraiment encore une autre bonne opportunité de rencontrer les gens puis de savoir c'est quoi leurs besoins puis comment faire pour les aider le plus rapidement possible. Faire des concours durant ces événements-là. Surtout de les garder en alerte avec les plateformes numériques, dans le fond Instagram, Facebook, communiquer avec eux le plus possible. Donc, c'est à peu près ça. Puis, ça va aider aussi à planifier l'expansion, en fait, tout ça et tout. C'est ça. Puis, ma collègue Christelle va continuer. Moi, je vais vous parler de comment que nous avons planifié ça, en fait, dans... la présence au collège. Donc, vu qu'on a remarqué que l'adresse de Lexia et l'adresse du collège Saint-Lawrence est à 4 minutes, donc nous avons dit,
vous pouvez être présent dans le collège une journée qui a un événement social avec les stand-up, que vous avez distribué des brochures. Il y aura une pancarte avec un code QR. Ce code QR-là, ben, on le sait, les étudiants sont toujours avec leur téléphone. Ça va les amener direct à une page d'inscription. Cette page-là, ils vont pouvoir rentrer leur courriel. Ça va nous donner la possibilité aussi d'avoir leur courriel pour les envoyer des alertes, des spéciaux, des rabais aussi. Et on avait pensé aussi à faire comme dans le kiosque, il y aura des jeux où ils vont pouvoir gagner des cartes cadeaux de Netflix, Spotify et Vivre. Donc, ça, c'est des choses qui pourraient attirer les attentions pour qu'ils viennent dans notre stand. Et là, on va pouvoir leur présenter pourquoi qu'on devrait passer à Alexia. Pourquoi qu'on devrait voir Lexia comme dans leur futur plus que la coop. Et pendant les matchs de hockey, on peut faire la même chose, soit de la distribution, des brochures, des stylos, quelque chose qui va avoir tout le temps les informations de la compagnie dedans. Et à l'automne aussi, pour la session d'automne aussi, on va pouvoir faire la même chose et donner la possibilité de tirer, de gagner une iPad Air ou un Apple Pencil. C'est des choses qui nous attirent beaucoup. Comme on voit de nos jours, il y a beaucoup de compagnies qui font ça avant la rentrée scolaire. Donc, pas mal tout le monde va là-dedans juste pour avoir la possibilité de gagner. Donc, ça nous fait beaucoup plus de views sur le site web et aussi beaucoup plus de courriels pour envoyer des alertes, des pop-up pendant toute l'année. Alors, je vous retourne à ma collègue Donna. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait un petit budget. Ce qui est intéressant, justement, vu que c'est à côté, comme on dit, du siège social, il n'y aura vraiment pas de frais de déplacement à planifier. Aussi, vu que c'est une petite communauté, ça va être vraiment plus facile. La marge d'erreur, en fait, elle est minime, mais si on va vraiment chercher ces 1000 étudiants-là puis qu'on les capte, ça va être vraiment très bien pour nous pour pouvoir justement planifier l'expansion ensuite, au lieu d'aller prendre un plus gros cégep puis avoir plus de marge d'erreur. Et vu qu'ils sont à côté, ça va être vraiment plus simple comme type d'implanter ou de faire des changements. C'est pour ça vraiment qu'on a choisi le CXL Wentz, puis surtout avec l'expansion internationale, donc comme anglophone, vraiment aller changer la plateforme pour aller chercher le plus de livres anglais possible pour pouvoir justement le distribuer. Et ce qui est intéressant encore, vu qu'ils sont à côté, je sais que vous êtes intéressés par l'expérience client. Donc, peut-être que la livraison pourrait se faire un peu plus rapidement. Au lieu d'être 48 heures, bien, ils pourraient le recevoir dans les 24 heures. Donc, c'est toutes des choses que les étudiants, ils apprécieraient beaucoup. Donc, ça va être tout pour nous. On vous remercie beaucoup de nous avoir donné l'opportunité en fait de vous donner notre solution puis de faire un petit pitch. Fait que c'est ça. Merci. Bonjour à vous, membres du jury. Nous sommes très heureux de vous rencontrer cet après-midi pour vous présenter le fruit de nos 3 heures de travaux ce matin. Vous nous avez exposé ce matin un cas. Lexia, une entreprise de 2016 qui est actuellement en train de révolutionner le monde étudiant et des études, et a raison. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-nous nous présenter. Je m'appelle Jean Besson et je suis en première année, en fait à ma première session en sciences humaines dans le programme Administration Leadership au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, bonjour, mon nom est Manuel Gonzalez et je suis en première session en technique des gestion de commerce. Bonjour, mon nom est Mathias Kennett. Je suis dans ma 3e session en gestion de commerce au Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, nous sommes 3, mais l'équipe du Vieux-Club, donc vous l'aurez compris, du Cégep du Vieux-Montréal, est composée de 8 membres et de 2 mentors.
Les présentations étant faites, nous pouvons attaquer le vif du sujet, ce pourquoi nous sommes là. Notre tâche, en fait, consistait à déterminer un cégep propice à l'aménagement de Lexia, et y compris dans une perspective à long terme. En plus des choix du cégep, nous devions établir un plan de marketing complet démontrant, en fait, et assurant la réussite de Lexia au sein de ce cégep. Et avant de se lancer dans la création et le brainstorming d'idées, nous devions identifier les obstacles et défis en fait qui étaient présentés, qui étaient face à nous. Tout d'abord, il y avait la contrainte de temps. En effet, on n'avait que 2 mois si on compte en fait le fait que le projet devait être lancé en janvier 2022. Donc, il fallait penser à quelque chose de réaliste en 2 mois. Donc, voilà. D'autre part, sinon, Lexia a pour but de toucher la totalité des étudiants du cégep dans lequel elle est implantée. Il faut donc être capable de toucher un large éventail de personnes. Le choix... Excusez-moi. Le choix donc du cégep est donc très déterminant puisque ce dernier en fait va directement influencer la population qui va être touchée et donc il faut déterminer celui qui répondra le mieux aux exigences qui ont été données en fait. Et finalement, il faut faire face à la réalité. Notre société est en pleine transformation, que l'on le veuille ou non. Le marché en fait numérique prend de plus en plus de place et Lexia s'adapte en fait déjà à ce marché. Avant l'élaboration de solutions relatives à la problématique, nous avons procédé à une analyse de démarche via certains modèles d'analyse, par exemple le modèle PEST, CFMIP et FFOM. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter le modèle FFOM car il regroupe un peu de tout. On va commencer par les forces. Comme il y a des meilleurs prix et une livraison rapide, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Donc, le client devrait revenir au début de chaque session. Le modèle ressemble à Airbnb ou Uber. Donc, c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves. En plus, Lexia a de vraiment bonnes relations avec plusieurs compagnies réputées comme Guru et Desjardins. Les faiblesses. L'offre et la demande dépendent l'un sur l'autre. Donc, s'il n'y a personne qui vend ses livres usagés, ben là, vous n'avez comme rien à vendre et personne ne veut visiter le site parce qu'il n'y a rien à vendre. Il faut changer de page. Okay. Les opportunités. Il y a un gros marché qui n'a pas encore été exploré. L'importante transition numérique peut être un défi, mais à la fois une opportunité. Et la clientèle est réunie à un seul endroit, donc dans leurs écoles. Et on peut répondre à travers tout le pays. Les menaces. Les gens peuvent trouver des livres ou comme prendre la même chose sur Facebook Marketplace et Amazon ou dans leurs magasins scolaires qui sont situés dans leurs écoles. C'est quand même vraiment facile d'accès. Donc, à la suite de tous ces diagnostics, on en est venu à une conclusion de choisir l'école, le cégep de Saint-Laurent de Québec. Je vais vous dire un peu pourquoi. Donc, premièrement, le fait qu'il y ait peu d'étudiants peut être vu comme un inconvénient. Cependant, avec la logistique donnée dans ce cas, le temps limité et l'entrée d'un nouveau marché a fait en sorte que nous avons quand même choisi de se concentrer sur ce cégep, car oui, on va chercher moins d'étudiants, mais on peut chercher un plus gros pourcentage d'étudiants, ce qui permettrait de fidéliser les étudiants pour ensuite s'assurer que les années suivantes, Lexia soit la plateforme de référence. Ensuite, on sait que déjà le marché de Québec est déjà assez conquis au niveau universitaire, donc ce serait peut-être un facteur qui aiderait la conquête du marché collégial. Ensuite, le campus est rapproché, ce qui permet de faciliter vraiment le bouche-à-oreille entre les étudiants, qui je pense que peut être une grosse carte à jouer pour le terme de marketing. Ensuite, le fait que les classes sont présentielles fait en sorte que notre stratégie marketing que nous allons vous énumérer plus tard dans la présentation va être assez efficace. Et pour finir, le fait que les programmes offerts dans le cégep sont non spécifiques, l'achat des manuels, en fait, va pouvoir être premièrement plus simple et va pouvoir être utilisé pour les cégeps futurs.
Donc maintenant, on en est au principal, le plan marketing et la communication qu'on vous offre et qu'on a trouvé. Donc, premièrement, c'est divisé en deux stratégies. Premièrement, la promotion numérique. Donc, étant donné que le Cégep possède un campus sur place, il s'agit sûrement d'une communauté assez rapprochée. Donc, on essaie d'opter pour un marketing viral afin de créer premièrement un intérêt des étudiants à travers cette viralité pour ensuite faire connaître les valeurs de l'entreprise puis inciter à l'achat à travers l'action. Donc, comment on a pensé à notre premier système? Ça serait un système de rabais de 10 $ sur le premier achat. Donc, l'étudiant arrive, fait l'achat sur Lexia, et puis on avait vu sur la présentation qu'on pouvait voir la quantité d'argent qu'on avait économisé à travers la plateforme. Donc, l'étudiant aurait à faire un screenshot, une capture d'écran du nombre d'argent qu'il a économisé, et ensuite le mettre en story Instagram en faisant un hashtag Lexia, en mentionnant la page, et pour finir, aller s'abonner à la page. Ça viendrait créer le contenu de viralité, surtout que vu que les étudiants vivent ensemble, sont assez rapprochés, le fait de voir 2, 3, 4, 5 fois la même story de différentes personnes va venir vraiment susciter une grande curiosité. Ensuite, c'est là que vient le point de montrer la valeur de l'entreprise puis montrer les services qu'ils offrent. Donc, on opterait pour un contenu Instagram massif, surtout à la rentrée, qui viendrait exprimer les valeurs. Donc, par exemple, des behind the scenes de la compagnie, de comment on emballe les livres, des employés, des stages qu'on offre. Et aussi, on mettrait une grosse emphase sur le côté écologique de l'entreprise. Donc, on avait parlé de la carboneutralité. On pourrait faire une espèce d'échelle qui suit sur l'objectif, dans le fond, semaine après semaine, comment on se rapproche de cette carboneutralité-là pour faire sentir un sentiment d'appartenance aux étudiants pour qu'ils puissent sentir qu'ils participent qu'ils sont dans la compagnie et qu'ils voient la compagnie grandir avec eux et que c'est grâce à eux qu'elle grandit. Comme deuxième stratégie de marketing, on planifie un événement hivernal durant la première semaine de la session. 5 $ à l'entrée, tous les fonds sont reversés à une cause environnementale. On fait un partenariat avec Guru. On fait un concours de type déroule le rebord. Comme j'ai dit, Martin, qu'est-ce qu'on fait? On colle un code barre sur chaque canette. Tu peux le scanner et tu as des chances de gagner carte cadeau, livre gratuit, etc. Par la suite, tu vois si tu as gagné ou si tu n'as pas gagné. Après, ça te redirige vers la page pour le rabais de 10 $. Puis, ça. Donc, pour parler au niveau budget, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de données, donc on est allé vraiment approximatif. Donc, pour ce qui est du rabais de 10 $, on a estimé qu'environ 30% des 1000 élèves de l'école allaient finir par utiliser le rabais. Donc, on a mis environ 3 000 $ pour le rabais à dépenser. Ensuite, on a ajouté un petit extra, un fonds de sécurité de 300 $ pour tout ce qui est la création de vidéos, création de contenu sur Instagram, etc. Ensuite, pour l'événement, on a prévu un fonds de 5 500 $. Je sais que pour l'événement, c'est peut-être pas extrêmement réaliste, mais il faut compter qu'on a le partenariat avec Guru. Puis on a pensé que si on est en manque de fonds, on peut toujours inclure Desjardins dans notre partenariat pour financer le tout. Ça, c'est sans compter les 5 $ de billets, le prix de 5 $ pour le billet à l'entrée qu'on va reverser à une cause environnementale. Ensuite, un fonds sécurité de 200 $ pour l'événement. Et pour finir, pour le concours de l'événement, on a choisi de donner 500 $ pour les prix quelconque qu'on pourrait gagner pour un total de 10 000 $. Avant de conclure en fait cette présentation, nous avons émis d'autres pistes d'idées. S'il y a bien une chose que les étudiants, peu importe le cégep où ils sont, à quelques cas près bien sûr… Je suis désolé de t'interrompre, ça met fin à la présentation aux 10 minutes qui étaient accordées.